Bonjour et bienvenue sur le repère des motards. Pour cette première présentation et première prise de contact avec les Dunlop RoadSmart 4 c'est la grosse nouveauté du manufacturier pour cette année 2022 et surtout ce sont des pneus qui sont produits en France à Montluçon. Alors un pneu made in France. Alors par rapport au Rotemar 3 que vous connaissez peut-être déjà, il y a énormément d'évolutions. On peut même considérer que le Rotemar 4 est un pneu nouveau en ce sens qu'il est modifié aussi bien dans la forme que dans le fond, donc la chimie qui compose le pneu. On retrouve aujourd'hui Plusieurs techniques. Nous avons le DFF qui est la formule dynamique du pneu avant, le MT qui veut donc dire que on a un pneu bigomme mais uniquement à l'arrière, ainsi que le CTCS qui est la tension de carcasse, donc les fils qui sont enroulés avec une tension adaptée à la localisation du fil sur le, le pneumatique. On a également donc un traditionnel JLB que l'on connaît déjà, qui est une ceinture acier ou aramide. C'est ce qui empêche la déformation du pneu lorsque l'on va rouler à grande vitesse donc ça va empêcher qu'avec l'effet gyroscopique la déformation du pneu soit trop importante. On va également avoir un composé en silice enrichi donc le High Silica et pour terminer une technologie qui a été introduite par Dunlop de manière euh, exclusive quasiment puisqu'il nous disait que ça pouvait être une première mondiale, on va avoir un JLT à l'avant donc Jointless Tread sur le pneu avant et sur le pneu arrière ce qui permet d'avoir un enrobé de gomme Automatiquement fermé sans qu'on ait d'intervention autre que celle qui sera faite par les machines. Donc on gagne en homogénéité sur le pneu et principalement en usure. On a également un nouveau dessin du pneu avant, donc avec des lignes qui ne sont plus interrompues par des petits sillons qui venaient casser la, la remontée, la petite flèche qui pointait vers l'avant du pneu. Elle a été remplacée par un dessin plus, plus homogène et quelque part plus sportif, qui va également avoir une incidence sur la manière dont l'eau est chassée lorsque l'on roule sur route mouillée. On a un nouveau dessin de la, de la forme du sillon qui va être un peu moins régulière, un peu moins droite. Enfin, dernier point technique, l'empreinte au sol a été amélioré principalement dans la zone des 20 degrés d'angle. Alors 20 degrés d'angle, on a du mal à se représenter ce que ça fait, mais on a une augmentation de 3 cm de la surface au sol, donc elle est plus homogène, plus régulière, ce qui devrait en théorie apporter une meilleure adhérence sur l'angle et une usure plus régulière. Nous avons testé cette nouveauté pneu 2022 sur route, mais également sur le circuit de développement Goodyear Dunlop de Mirval. Lors de l'atelier maniabilité, nous avons pu comparer les différences ou surtout les similarités entre le Road Smart 3, qui était déjà performant dans le domaine, et le Road Smart 4. Dans des dévolutions lentes comme ça, on a vraiment une, une stabilité qui s'installe et une vraie euh, vraie confiance dans la capacité du pneumatique à ne pas engager trop, donc à rester très neutre lorsque l'on va chercher à tourner le guidon et à faire ces rotations. C'est très encourageant donc pour ce qui va être de se faufiler entre les fils de voiture notamment. Hein, le, on va pouvoir avoir une, une maniabilité euh, et un répondant qui vont être à la hauteur de nos, de nos attentes. Et ce pneu, euh, encore une fois, il se montre rassurant. On n'a pas d'effet ni de mouvement qui remonte dans la direction. On est passé ensuite sur l'atelier qui consistait à tester la vitesse nous avons pris la R1250RS qui est un mélange entre une moto sportive et une moto routière donc on a pu jauger vraiment de la, de la montée en température rapide du pneu, de ses capacités à très vite mettre en confiance, même lorsqu'ils ne sont pas supposés être chauds. Surtout lorsqu'on a pu tester préalablement les Roadtec 01 SE, qui étaient plus longs à se mettre en condition. Là, avec le Road Smart 4, on est tout de suite rentré dans le, dans le vif du sujet. Ils sont très progressifs, rassurants. On a une mise sur langue qui est stable. Une fois qu'il est calé, on, il ne bouge pas. Et ça, ça pour bénéfice de, de permettre de, de basculer la moto d'un angle à l'autre sans se dire qu'à un moment donné on va avoir une zone de transition quelque chose qui va être moins agréable on élimine les mouvements de l'avant on a pu prendre également la, la mesure des freinages alors au freinage eh bien les, les Road smart 4 ils encaissent très bien les transferts de charge on se retrouve avec le, le pneu avant qui encaisse et Surtout qu'il se déforme assez peu avec euh, la nouvelle composée de gomme, et eh bien on a également un grip qui euh, permet de, de garder confiance longuement et le profil que l'on va avoir sur le pneumatique aussi bien à l'avant qu'à l'arrière offre une inscription euh, vraiment bonne lorsqu'on va rentrer sur les freins dans un virage. Le train a tendance à neutraliser la moto et ça la rend beaucoup plus euh, sereine. Et ça agit directement sur la confiance. Au guidon de la R1250RT, la, la moto était transfigurée. Et là, ça a commencé à frotter partout. Il y avait des, des, des gerbes d'étincelles. Mais surtout, ce qui était euh, vraiment appréciable, c'est cette facilité de passer d'un angle à l'autre avec une telle légèreté. Et... On frotte les repose-pieds, il n'y a, a rien d'autre qui frotte, ni les valises, ni rien. On ne se pose plus aucune question et c'est comme si on roulait sur une sportive. Euh, le genou est même venu trouver le, le bitume, ce qui était totalement euh, contre-emploi pour cette moto, mais qui prouvait les capacités du pneumatique et surtout sa capacité à s'adapter à, à la moto et à encaisser les, les gros rythmes que l'on est capable de coller. Donc ça, c'est un très bon point. Au guidon de la GSXS 1000 GT, et bien ça a changé la donne. C'est une moto qui est plus légère, qui était dotée non pas de la version GT des pneumatiques, mais de la version SP. Et bien cette fois-ci, on s'est retrouvé avec une moto toujours aussi euh, vive, toujours aussi agréable euh, à, à emmener. Mais par contre, on a euh, désactivé les, les, les assistances hein, c'était plus facile à faire. Et puis, on s'est rendu compte qu'au bout de, de trois tours, et bien la chauffe de la gomme la rendait beaucoup moins efficiente. Et on est arrivé aux limites du en ce qui concernait l'attaque, donc ça veut dire que ce, ce pneu là il faudra pas forcément le, le faire monter en température, donc il s'adaptera beaucoup moins à ce qui va être des incursions sur piste ou des conduites vraiment sportives avec des motos très légères. Si vous avez des velléités sportives, une moto sans contrôle de traction et que vous n'avez pas besoin de performance sous la pluie, nous vous invitons à considérer davantage la gamme Sport Smart de chez Dunlop au travers des TT et des MK3 qui seront bien plus performants. Ça c'est après le, la session piste, donc euh, sur la Suzuki GSX-S GT, bah, on peut le voir, hein, le pneu est, est bien sollicité, il a bien bouloché, euh, il s'est très bien comporté. Voilà, à l'avant, par contre, eh bien on voit que le, le pneu Vieille plutôt bien et qu'on ne va pas au bord sur la piste. voilà On a également utilisé sur la piste cette bonne vieille R1250 RT. Et comme on peut le voir, hein, l'usure n'est pas la même. La moto est beaucoup plus lourde, mais par contre, elle se comporte admirablement bien avec, les, avec, les, avec ces pneumatiques-là. Hein. On le voit, on peut même, on peut même les faire boulocher. L'atelier mouillé nous a permis de tester deux motos. On avait à disposition une Suzuki GSX-S 1000 S et euh, une BMW R 1250 R deux motos complètement différentes une légère, sportive une plutôt routière mais qui n'a pas euh, lésiné sur le, sur le moteur hein, le, on ne peut pas dire que le, le bicylindre de, de, de BM soit mou donc sur la route détrempée que l'on avait sur la piste eh bien, on s'est retrouvé avec des réactions différentes entre le RodeSmart 3 que nous avons pu tester sur chaque moto et le RodeSmart Smart 4 les rendus sont modifiés par la nouvelle structure du pneu avant. On va se retrouver avec euh, une différence flagrante sur le mouillé. Maintenant, euh, l'un comme l'autre vont offrir un comportement euh, prévisible, mais avec une préférence quand même pour le comportement plus neutre, plus serein du Rode Smart 4, qui a effectivement fait un pas en avant. Alors, on s'est posé la question de savoir si c'était lié au nouveau dessin du pneu avec les nouveaux. Euh, d'évacuation de l'eau. De fait, il semblerait que ce soit bien plus efficace en ce qui concerne le, le, le tracé de la route. On avait quand même un avant qui était plus euh, plus serein, qui cassait mieux l'eau le, et, et avec euh, la possibilité de, de, de s'inscrire mieux, avec moins de mouvement surtout du pneumatique lorsqu'on commençait vraiment à mettre du rythme sur ce circuit complètement détrempé. Donc le, les réaccélérations, elles se font vraiment bien. Il y a une zone euh, de transition qui est plus agréable sur le, sur le Road Smart 4 et surtout on peut remettre les gaz un peu plus tôt euh, du fait de l'empreinte au sol qui a été légèrement augmenté. Donc, on valide les évolutions et on valide le fait que ce, que ce pneu, ce nouveau road smart, soit plus efficace sur la pluie, plus rassurant et plus doux. Pour conclure, eh bien, ces, ces pneus ont vraiment progressé sur tous les points. Ils sont très agréables. Ils ont euh, manifestement fait un grand pas en avant en ce qui concerne la chimie. Les dessins ont été améliorés. Quelle que soit la moto, on peut considérer qu'il y a une belle neutralité, une facilité à l'emmener, à, le, à la balancer d'un angle à l'autre. Et ça, c'est très agréable avec ces pneumatiques parce qu'on les ressent pas et surtout, il y a très peu d'efforts à faire au guidon pour arriver à l'emmener le Road Smart 4 arrive à rattraper l'écart qui le séparait de ses principaux concurrents. Alors on va noter dans ses concurrents le Continental Road Attack 4 qui va très prochainement arriver sur le marché que nous n'avons pas encore testé, le Pirelli Angel GT2 que nous connaissons bien. Et qui est plus ferme au niveau du travail de, de sa carcasse. Alors, ça, c'est un point commun à ce que l'on peut avoir dans le groupe, puisque les Metzeler Rotex 01SE, que nous avons également testés sur piste, n'avaient le même comportement sur route, un peu plus ferme et moins, moins agréable que ce que l'on peut avoir sur le, sur le Road Smart. Par contre, ces deux pneumatiques sont plus sportives, avec des profils un peu plus incisifs et surtout la capacité de tenir mieux sur l'angle et de moins s'effondrer lorsque l'on va les faire monter en température. Enfin, il nous semble que le Road Smart 4, il est Très proche dans son comportement du T32, un pneu que l'on a particulièrement apprécié pour sa versatilité et sa capacité à s'adapter à tout type de terrain et tout type de conditions. Enfin, il reste à présent un gros concurrent, le Road 6, qui vient d'apparaître sur le marché, mais que nous n'avons pas encore testé, que nous sommes en train d'essayer et dont nous vous livrerons très prochainement notre essai. Il va falloir faire bien attention au moment de choisir votre monte pneumatique parce que même si elle est disponible en près de 24 références différentes, on va avoir 8 dimensions à l'avant et 16 dimensions à l'arrière, mais surtout on va avoir deux gammes différentes. On va avoir les SP et les GT, principalement dans les dimensions les plus courantes, donc 120 par 70 l'avant et 180 par 55 à l'arrière, 190 par 50 et 190 par 55. Voilà pour les dimensions principales qui sont bien entendu les plus répandues. Selon Dunlop, le train de Roadsmart 4 en dimension standard devrait être situé aux alentours de 290 euros. Si vous avez apprécié donc cette euh, cette vidéo, bien vous pouvez vous abonner, souscrire. Nous serons ravis de vous accueillir et de vous proposer de nouveaux essais et de nouveaux tests. A bientôt